Dans le monde, chaque minute, une femme meurt pendant l'accouchement, encore aujourd'hui. In de rijke landen kon men dankzij de keizersnede het moedersterftecijfer sterk terugdringen. Maar in landen waar de toegang tot kwalitatieve gezondheidszorg beperkt blijft, zoals in Burundi, is een complexe zwangerschap nog steeds levensgevaarlijk. Vrouwen die het overleven, betalen soms een hoge prijs. Niet zelden overlijdt het kind en de moeders blijven vaak achter met obstetrische fistels. La fistule obstétricale, qu'est-ce que c'est? C'est une complication d'un accouchement difficile où la tête du bébé est coincée dans le bassin pelvien de la mère, qui fait que l'urine ou les selles passent tout le temps par le vagin et pas par la voie normale. In Burundi betekent een fistel vaak sociale en zelfs familiale uitsluiting. Hier noemt men het de ziekte van het achterkoertje. Een ziekte die de levens van talloze vrouwen overhoop heeft gehaald. Vrouwen zoals Consolate. Obstetrische fistels zijn gelukkig geen doodvonnis. Om dat aan te tonen verzorgt Artsen zonder Grenzen jaarlijks talloze patiëntes en voert de organisatie ook operaties uit. In Burundi heeft Artsen zonder Grenzen een centrum opgezet dat enkel en alleen is gewijd aan zulke operaties in het regionale ziekenhuis van Gitega. Elk jaar worden hier 350 vrouwen geopereerd. De vrouwen die hier komen, zijn prises en charge globalement. We disposen van plusieurs infrastructures, d'une zone d'hospitalisation où les femmes restent quelques jours avant d'être opérées et après d'être opérées. Et ensuite, elles vont dans ce qu'on appelle la partie village, village de femmes, où nous avons plusieurs salles d'hébergement et un pavillon où elles font différentes activités, notamment des activités de physiothérapie, donc de rééducation des muscles, qui leur permettent de retravailler la continence. Le problème est complexe, mais si on peut donner accès aux soins nécessaires à chaque femme au monde, il n'y aura plus de fistule obstétricale. En Afrique, ça veut dire qu'on doit mettre en place 10 000 hôpitaux bien équipés et avec de staff bien formés pour prévenir toute la mortalité maternelle et fistule obstétricale. Alors on est loin de ça. Mais c'est pas un problème médical parce que à la fin la fistule obstétricale est parfaitement prévenable.